Vaillant et digne peuple de Guinée, aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a tombé le masque après avoir cherché pendant 3 ans à gagner du temps et à abuser de la confiance et du soutien de notre peuple. Sa candidature à sa propre succession, alors qu'il a juré en tant qu'officier sur le Coran devant l'armée, le peuple de Guinée et la communauté internationale de ne pas prendre part aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel, sa candidature, dis-je, serait une haute trahison de sa parole d'honneur et donc un grave parjure personnel. La communauté internationale, qui a espéré tant et jusqu'au bout qu'il joindrait l'acte à la parole, est aussi flouée que notre peuple trahi. À chacun d'entre nous, donc, de prendre ses responsabilités dès maintenant, devant sa conscience et l'histoire, pour empêcher à tout prix et par tous les moyens la forfaiture de se produire, en étant aux côtés du peuple martyr de Guinée dans sa quête légitime de liberté, de justice et de démocratie. J'en appelle donc à toutes les forces vives du pays, civiles et militaires, de l'intérieur et de l'étranger, d'agir en parfaite synergie pour s'opposer avec fermeté et détermination à la volonté du général de commettre ce parjure pour confisquer le pouvoir à son profit personnel et pour les intérêts exclusifs de son clan civilo-militaire. Nous devons tous réagir avec une combativité à la mesure de l'affront et de la provocation. Le général Mamadi Doumbouya et ses soutiens et alliés seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendrait à la suite de l'épreuve de force qu'ils veulent engager avec le peuple de Guinée et de toutes les conséquences de l'acte de défiance qu'ils auront posé en décidant de cette candidature illégale du président de la transition à la prochaine élection présidentielle. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons la dictature et toute velléité d'imposture et d'usurpation du pouvoir. Tous donc en ordre de bataille.